Bonjour Oudjama. Alors, vous êtes avec Abdallah de Caliban Orfania. On est de retour. Donc aujourd'hui, on va vous présenter comment on commence à mettre en place la pépinière des arbres fruitiers. Donc dans 6 mois, vers le mois d'octobre, on va commencer à sortir les plantes. Donc dès maintenant, il faut mettre en pépinière les graines qu'il faut pour pouvoir avoir des belles plantes dans 6 mois. Donc n'hésitez pas à liker, abonner et de commenter cette vidéo. Namketim, c'est parti. On va vous présenter les graines qu'on a. Là, on va commencer. On a déjà commencé avec les graines de Combava qu'on a mis en terre là parce que c'est un arbre fruitier un petit peu difficile. Donc, on l'a mis quand il y avait la pluie. Donc, ça commence à sortir de terre. Donc, voilà. De Kono Kono. C'est le petit frère, comme on dit, le petit frère de Koro Solier. Il a aussi des petites épines, mais il est très très bon. Donc ça, c'est les Koro Solier. On a du citronnier moigné, comme on dit. Les citrons verts, donc citronnier, on appelle les citrons. Pardon, on a du. Les graines de pomme cannelle. Graines de pomme cannelle qu'on a là. Donc, vous vous demandez mais pourquoi on les met sur. Donc, vaut mieux le mettre sur du coton parce qu'on avait essayé, c'est l'expérience qui parle. On avait essayé avec de mettre dans des châssis et en fait ça pousse pas. Je sais pas ce qu'ils ont, donc ça pousse pas. Donc, vaut mieux le mettre sur du coton. Donc là, on est parlé le fumier. Donc après on met les petites graines de citronnier, on les met là, ça va pousser, Inch'Allah, comme on dit. Donc on fait un petit tranché et puis on met. Doucement. On laisse ça là. Voilà. Deuxième tranchée.
bien. Elle est là. Doucement. Pour le petit frère du corossolier. Très bon ça, très très bon. C'est un bon fruit ça. On va le mettre là. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait la pépinière. Et on vous donne rendez-vous dans un mois pour les mettre dans des chassés horticoles pour qu'ils puissent pousser tranquillement et les planter dans 5-6 mois. Sur ce, je vous dis, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis, mettez-vous en action et ciao! Très bientôt.